Faudrait y en avoir Rovida. Depuis que tout chagroto, li ambuta comme fonctionnaire. Il dit que la liberté ne se gagne que par le combat, sans attendrissement. Mais la guerre, la vraie, c'est pas une légende, ça aussi c'est mon père qui me l'a dit. Ben demande donc à Marcel. Il est là, il pourra le faire, le bagnard. Vous les jeunes, vous pouvez pas comprendre. C'est vous les réfugiés? Il y a nos frères derrière, on va partir faire des courses à Montignac. On peut pas rigoler avec des salauds pareils. Mais comment t'as su ça, toi? Il y a des soirs, c'est comme si Londres était dans certaines maisons. Ouais, depuis qu'il n'y a plus de tabac dans la tabatière ou que le coq s'entraîne lui, ça fait de la poésie à la maison. Venez, on reviendra demain mieux équipé pour aller plus profond. Vous imaginez? Un trésor. Quel boucan dans le bled après. Pourquoi t'as été en prison? En prison? Mais t'es fou le Rico. On t'appelle bien le bagnard. Ah oui, oui. Il croit me voir en Jean Valjean comme dans le film Les Misérables. Bon, bah s'il y en a qui veulent me suivre, hein. Tu vas où que tu veux? On a trouvé le souterrain du château, on part explorer. Bon, alors on ne dira rien du tout. C'est notre découverte, c'est notre grotte. Notre trésor. C'est un secret. Monsieur, je viens vous voir parce que... Oui. Parce que nous avons trouvé une grotte. En bas. Une grotte. Ça. Vous voyez, monsieur, il y en a partout. Oui. Plein les autres salles. C'est notre trésor. Oh, que couille brave! Ma visage couille bien dessinée. Oui, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde de partout? Oui, malheureusement. Enfin, vous serez là, hein. Vous en êtes un peu les gardiens. Dieu, quelle émotion! C'est de l'art. Et l'art, c'est toujours de l'émotion.